Thank you.
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कलालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय यं प्राप्यं समनुपेत गैपायनो विरहकातरयाजुः पुत्रेति तन्मेतया सर्वो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं ब्रह्मानि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम् explaining the shloks of Srimad Bhagavatam, 10th canto, 9th chapter. Krishna was not satisfied by taking milk of the father. In the meantime, Mother Yashoda saw that nearer to her if some milks were overflowing on fire. So Yashoda took off Krishna from his lap, her lap, and told that he should sit here. And very easily, though Krishna has caught her tightly with his whole power, supreme power, but Yashoda very easily he took Krishna on his lap and he kept Krishna there. And she ran to say that milk was going to fly. You know that all things, all articles, trees, creeper, milk, water, all are Sakidanandamaya in Vrindavan. So milk was thinking, oh, Srimati Yashoda has endless milk in her breasts. And Krishna's stomach is empty, whole world can be there. So very big place. So all day Krishna will take the milk, but milk will be endless there. And his empty stomach will not be fulfilled.
So lakhs and lakhs time, births and years. Krishna will take milk and Yashoda will give milk. It will be endless thing. So I will have no chance to serve Krishna. So uselessly, I don't want to be without service of Krishna. So I should die. So he is jumping in milk. Fire. No need of taking life. Like Narottam Thakur has prayed, Kenova Acharya Pran Sisu Kulagya Narottam. That we have come to this world to serve. And that's super. So, in that Golok Vrindavan, all are serving. But they want to serve more. And if not serving, then useless life. So, in this world, if we are human body, and we are anyhow not serving Krishna, chanting, remembering, your life, our life is useless. So Narottam Thakur will tell you that if I am here, not chanting, remembering him, so I should die. But I am not dying, it is my fault, because I am more wretched than stones and other things. My heart is like a stone and not melting. So, milk is thinking that I am useless, so I should die, jumping in fire. Yashoda Sahib, Mother Yashoda, his mother, very, very kind. And Ahetuki, causeless mercy. Oh, am I stopping my serving to Krishna? And I will engage you. So this is Guru Tattva. Serving Krishna and Krishna. Gurudev, serving Krishna and Krishna. I know Gurudev. I am Gurudevaya Jumai. I know Gurudev. Always serving Krishna and Krishna. And all Gurudevs, Akhand Gurudev, are all the manifestations of the only one thing. That I want to engage all in the Krishna service, Radha Krishna service. My duty is this. I must engage all. And who are quarreling themselves to make disciples, to be served themselves, actually they are wrong. If anyone is helping another, that he should be qualified to serve Krishna. And another is doing the same thing. Then they must be friends, because they are each other helping. Understand what I am telling you? Nityananda Prabhu is helping. And Srimati Radhika is helping also. So, there should be no quarrel among them. They should be in friendly terms. So those who are helping all the jivas to serve Krishna, if they will see that, oh, he is also helping others to serve Krishna. So we must be friends. There will be no talk of war or anything. When talk of war will come, then he will say that my money he is taking. My all disciples he is taking. I am making disciples like a farm, yielding, farming, fighting, to test myself. So if anyone is going to take that field, then I must quarrel with him.
But they see that this is my field. And by this field, I will make money, so many things. So if anyone is coming to this field, in my field, in my area, territory, like dogs, zone. Barking. Like when animals go to America or England or France, the French government, British government, or American government, they will bark, why coming here? Don't come. They think that the money and all things they will now share. So now in Kalikal, so many gurus like this, calling themselves that, oh, he is coming in my territory. This is my territory, this is my what, kingdom, like this. I must take all. I will give and a point of needle also. So now there are so much wealth, but we should be happy. Like Chaitanya said, Tamrita, any man, Ramnath Das Goswami perhaps he has written that, Giriraj Govardhan is making all Achyut Govardhan. So he is happy. So anyone is helping others. Narottam Thakur was making disciples, you know? Narottam Thakur. And in the same time, Shyamananda Prabhu was making disciples. Srinivas Acharya also making disciples. But how they were even friendly. They used to go to India, each other territory. No harm. They thought that I am disciple of Narottam Thakur. Narottam Thakur thinking that I am disciple of Srinivasa Acharya. Taking their disciples like Ramchandra Khan. And Narottam Thakur, he is my bosom friend. It should be like that. Now quiet. Now we are all quiet. Like a kingdom. We should be like this. Nijagotram, Sarthaka. Nijagotram and Achyutputra. So, Kishajana Pucha. Why I was telling? You're saying about soda for saving the milk. So the milk was thinking that I should die, but she was thinking I should help him to serve. So I should stop my giving milk to Krishna. And that milk will be there. So he ran quickly. Told her, don't be worried, don't worry. I am giving chance. First, Krishna will take this makhan and your milk, this milk, and from you, butter will be made, ghee will be made, so many sweets will be made, rabdi will be made. You know rabdi? Khochandi, you know? Oh, very, very. Very good, sweat, tasteful. So all will be made. And sometimes, Paramananda Kheer will be made by you, and I will all offer to Krishna. And thus, you will serve Krishna. So he took some water. Oh, they satisfied.
and sprinkle all your sudbis. So a guru does like this, and he becomes happy to engage anyone in Krishna consciousness. These are the duties. So Mother Yashoda like a guru, and he comes on that guru. And he took the milk pot from the fire. And just he became so happy, that milk. Oh, now there will be a chance that Mother Yashoda herself engaged me in Krishna service. As Gurudev makes anyone to help to Krishna. If any guru thinks that this is my all the disciples are my property. Sometimes I have heard any so-called guru to lady devotee, now you are mine and you should give your everything to me. Now you are not in your control, but I am in control. This is a very bad thing. She should give, purify his affection and everything so that guru may offer it to Lord of feet of Krishna or Gaurachandra. Disciples are not their property. They are to be engaged in Krishna service. If guru wants to test anything, even a pie, even anything for them, then he is guilty. And he will have to suffer. Guru can terrify the hearts and make smoke, and he should offer to Krishna. That Yashoda Devi took that milk. She made usko aur jara gadha bana diya. She made it more condensed. More condensed. Gave him some sweet in that and offered to Krishna. Oh, it is very beautiful. Krishna is a very tasteful. So many things. So, when the milk was pacified, subsided, or pacified, okay. And she returned to the churning place, she saw that all the curds in mental form, they were going out of pot, here and there. And there is a hole in the lower part of that pot. When Yashoda was running towards mid pot, Krishna was not satisfied and he became some angry, like boys become. And he was doing like this. I'm very angry. My mother left me and went to protect milk. Milk is for me, or I am for milk. Understand? Milk is for me. I am not for milk. Just so that kept me aside. And went to say, what if this is bhakti? But you should know that some kind of person can think like so. But really, any lover or Mother Yashoda loves much more to the utensils used by Krishna, like his kurta, like his venu, like his anything, more than Krishna. If sometimes Krishna makes dirty his clothes,
rolling down on the earth. Then Yashoda will quickly come and he will twist the ear of Krishna. Why you are doing so? So it is no harm. It is for the benefit of Krishna. She is thinking so far away. But why Krishna cannot think like so? Because he is ignorant. Whether Krishna is Supreme Personality of Godhead, but in the eyes of Yashoda, Krishna is what? Small boy. Very small, having no intelligence, anything, no power, anything. She can chastise, she can do. This is Mamata, Vatsalya Bhava. So, Yashoda sipped milk, keeping Krishna aside, no heart. It is bhakti. So when she returned, she saw that that is my boy. And all curds in a liquid form, they have come out from the vessel. So Krishna, when he saw that she has come, then he became so angry and wanted to make the petal pot turn it upside down. But he saw that he cannot do. It was so heavy, full of curd. Krishna was not so much strong to put it aside. Then, what to do? He was so clever and naughty. He saw that there is a stone, son of a stone, Siddhartha. Grind that vessel. And he took it. And he wanted to broke the vessel off from upside, but upside so thick. He could not do. Turn. But he took it and easily from the bottom. Very brilliant thing. So he did. And a very little hole was there. And all coming. If he was doing upside, then not so much will come. But if he will do in the bottom, then all will go. So he did so. And he was looking, oh, very good. Like a river, it is coming. And when it was stopped, there was no curd in the vessel. And now fear came. Oh, mother will come. And with his teeth, she will come. And he will break that stick on my neck. Then what to do? Now fear came. And he wanted to save him. So quickly, he wanted to go in a room where there were some doors to go out. So he entered in a room. But you know that thieves have some defects in hurry. They forget, they will make any sign that he has theft. He has stolen or he has done something wrong. So Krishna was unaware that his four friends were going to follow him. So when Yashoda came and saw that my boy is not here, he quickly knew that four friends were there in entering in room. And she peeped, and saw, very, very, slowly, like cats, on tiptoe, walking on tiptoe. Even a dry lips can be speak when cats are gone. So like a cat, just for one year, more intelligent than his Krishna, she went there and saw that, oh, and now there are two naughties together.
there is a local means grinding water was there, and Krishna climbing on that and taking some butter, getting to monkeys and crows, and sometimes taking. Why to monkeys? Oh, he remembered. He is kritagya, grateful to all. Those who can help or serve Krishna, at once he quickly will return. Je jathan mam prapadyante tam tathaiva bhajam. So quickly he was giving to monkeys because they had sucked so much in Ram Lila. Or don't slay, oh, you should sleep like me. What I told? Do you want to stand up? Then don't sleep. So, monkeys meant so much service. Because they have sent him, Ram. And they have given life and soul for Ram. So now he, after so many years, he is repaying them. And why to cross? Karvashandi was very, very high class of Vaishnav, serving Ram also. So they are in Vansh Parampara. Same dynasty as Karvashandi. In dynasty of Karvashandi. Like in the dynasty of devotees, if the devotee is of first class, Uttam Bhagavat, then 21 generation without any effort, they will be devotee. And they will be liberated from this material world. So, they were in the dynasty of Karbhushandi, so he was also giving butter with his own hands. And Yasoda took a stick and entered like a cat very quickly, and he was standing behind the doors. And Krishna was sometimes looking here and there with fear, and sometimes taking and again here, like guilty persons, like crows. Always crows, standing on two feet, sometimes doing here, and he was doing so. So, just so that, when he was taking, at once very quickly she ran like cats and followed Krishna. And he wanted to catch. In the meantime, Krishna saw that all the crows are flying here and there, running. Why? At once he saw, oh, mother has come so near her. And he jumped in fear and ran. Yasoda Sama, oh, you are very clever. You want to go out of the road so that I will have to take my bell. But today, all have gone to grinding cows. None is here. So I will quickly follow you and give a very good lesson. So Krishna was running and Yasoda was also running. Yasoda was somewhat healthy. And Krishna was he was running. But Yasoda was running more than Krishna. What is the meaning? If anyone wants to catch Krishna, control Krishna, then he will have to love more than Krishna loves you. Yasoda was loving Krishna more than Krishna used to love Yasoda. Yasoda has so much love. More than Krishna to her. So we should be more bhaktiman
we should have more love and affection for Krishna. Otherwise, we cannot control Krishna. So, Dasya cannot control. Shant cannot control. Asasakya cannot control so much. But Bali too can control. Mother Yashoda, Nanda Baba, or Boris. Boris can control more. So she quickly read him and told Krishna, oh see, oh, just I am beating you. And she was ready to draw that stick towards Krishna. Then Krishna said, oh mother, don't beat me. What offense I have done? I have done nothing. So that one. You have done nothing. Who broke this vessel? Mother. Should I tell truth? Yes. I have not broken. Who broke it? Yourself, you. How yourself? Because when you are running towards mill, your ankle bell made of gold so thick and so heavy. At once it was caught, and it was iron. She began to smile and told, you are lawyer, you are chotta. Mother, in my family, were there no liars? Oh, there was one liar in your family. Chor. And a chor go. There was a go. Milkman named Chor go. Not. In the dynasty of Yashoda, forefathers. So, chor go there was. Go named Chor. So, Krishna was pointing this. In my family, in my father's dynasty. There is no chore, and so I am not chore, but in your family, somewhere chore. So you may be chore, but I am not chore. Oh, she began to smile. Again he wanted to? But again Krishna began to run. Yashoda began some time. Sweat is coming from his mouth. Like pearls. And now her face was becoming reddish. Oh, being a child, see, and I can fall, and he has come from my home. But now he was gradually becoming tired. But flowers from his braid were coming down and telling, mother, mother, don't be. Worry. We are also following you and helping you, so you must run away. And quickly you can catch this naughty boy. We are also with you. So when she was running, one by one, flowers were coming. So flowers are like telling like this. And at last, she took his tea, her tea, and wonderful, to wait for Krishna. Krishna did like so, and in the meantime, she catch him. Krishna began to weep now with her. Idam tarutam te muhurnatra yugamam vriyantam parambho yugmena shatam kaletam muhushvashakampa Maharaj expliquait donc hier ce verset du chapitre 9 du 10e chant de Bhagavatam où on voit que Krishna n'est pas satisfait du lait de sa mère. Mais Yashoda a vu le lait qui était prêt à déborder. Et elle posa Krishna en lui disant de s'asseoir. Malgré que Krishna s'agrippait à elle avec toute sa force divine,
il fut très facile de se débarrasser de lui, de le poser par terre et de se précipiter vers le nerf. On sait qu'à Vrindavan, toutes les choses animées comme inanimées sont en fait conscientes. Sajidanandamaya. Donc le lait pensait, Yashoda a un lait illimité, intarissable. Et le ventre de Krishna est gigantesque, il peut contenir tous les univers. Donc elle continuera à lui donner du lait pendant des milliers de vies, jamais il ne s'arrêtera et son ventre ne sera jamais plein. Donc il n'y a aucune opportunité pour moi de servir. Et mieux vaut donc que je renonce à ma vie, que je saute dans le feu pour me suicider. Narottam Das Thakur chante Kedava Achaye Pran. À quoi bon rester en vie si je ne peux pas servir Krishna? Mieux vaut mourir. La gueule à Marie, mieux vaut mourir. Et le nez pensait de cette façon-là. Nous sommes venus dans ce monde matériel pour servir du Maharaj. Et à Goloka, on voit que tout le monde veut servir toujours davantage, toujours davantage. Et ils pensent tous, je ne peux pas servir Krishna, alors ma vie ne vaut absolument rien. Elle est complètement inutile. Et on va savoir, si on n'est pas engagé dans le service de Krishna, si on ne s'attarde pas dans le chant, l'écoute du nom de Krishna, tout ce qu'il y a fait avec Krishna, alors notre vie également est un zéro. Narottam Das Thakur, comme se lamente, je ne veux pas servir, donc je veux mourir, mais je suis tellement infortuné, je n'arrive pas à mourir. La mort ne vient pas me chercher, parce que j'ai un cœur de pierre en fait. Donc le lait était là en train de contempler le suicide. Yashoda était très généreuse, la nature même d'une dévote. Elle a pensé, j'arrête mon service à Krishna de l'allaiter et je cours pour engager quelqu'un d'autre dans le service de Krishna. Et ça, c'est le Guru Tattva. Hein? Le Guru sert toujours Krishna. Et à Kanda Guru Tattva, tous les gurus, ou toutes les manifestations du Guru Tattva, ils ont le même désir. Je veux engager tout le monde au service de Krishna. S'il y a une querelle parmi les soi-disant gurus, moi je veux faire de plus en plus de disciples pour qu'ils me servent. Ils ne sont des gurus que de nom. S'ils sont le vrai guru, leur seul désir, c'est de servir Radha Krishna. Et dans ce cas-là, ils sont tous amis, car ils ont tous un but commun. Ils savent qu'en fait, derrière Nityananda aide, Radha Krishna les aide, il n'y a pas de querelle, mais seulement de l'amitié entre eux. Ceux qui sont engagés à servir Krishna et engager les autres, ils apprécient quelqu'un qui fait la même chose, qui sert et qui essaie d'engager les autres. On voit cela dans l'exemple de Narottam Das, Shyamananda, Srinivasacharya. Narottam Das Thakur faisait des disciples et Shyamananda aussi pendant le même temps, et également Srinivasacharya. Et ils se visitaient mutuellement leur zone de prédication, et chacun se considérait disciple de l'autre. Narottam Das se pensait d'ici, le Shyamananda, Narottam Das, Srinivas, il n'y avait pas de querelle entre eux. S'il n'y a pas donc ce but commun, il y a juste une compétition. Chacun voit les disciples, sa zone comme un champ dans lequel il va pouvoir moissonner des disciples. Si quelqu'un vient dans sa zone, il dit « Ah, il va moissonner, qu'est-ce qu'il va faire dans mon champ ?» Il va ramasser ma récolte, ce champ est à moi, donc il y a des querelles. On voit ça tellement aujourd'hui, cette tendance. Venez par ma zone, c'est chasse gardée, chasse aux disciples et gardée ici. Il y a cette mentalité. C'est une caractéristique de Kali. Maharaj dit même, on voit ça au niveau du gouvernement, que ce soit en France, en Amérique, en Angleterre, lorsque quelqu'un vient aux frontières, ne rentrez pas. Ils ont peur que les gens viennent, on va partager leur richesse, leur argent, leur économie avec. Il y a tellement de soi-disant gourous dans l'âge de Kali qui sont ainsi. Ne venez pas dans ma zone. Vous ne pouvez même pas avoir de quoi planter une aiguille comme champ de prédication dans ma zone. Un peu comme Duryodhana. On voit tant de querelles. Mais dans le Chaitanya Charitamrita, ou peut-être Maharaj dit Raghunath Das Goswami, il écrit que Giriraj, Govardhan, Haridas Varya, il engage tout le monde dans Achyuta Gotva. Il voit tous les êtres comme serviteurs de Krishna, donc il engage tout le monde dans le service de Krishna. Il fait de tout le monde une même famille, la famille des serviteurs de Krishna. Donc, quand le Guru se considère les disciples comme sa propriété, alors, il y a des querelles, comme on voit maintenant, chacun pense c'est mon royaume. Donc, le lait, lui, pensait à se suicider, mais Yashoda, elle pensait à engager au service de Krishna. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne meurs pas, ne fais pas de soucis. Avec toi, je vais faire du beurre, toutes sortes de sucreries merveilleuses, de friandises qu'on va offrir à Krishna. Donc, elle a pris un petit peu d'eau et jeta sur le feu pour le faire redescendre. Et ainsi, elle l'a apaisé. Et le gourou, ainsi, il est heureux d'engager les autres au service de Krishna. Et en fait, c'est son devoir. Donc Yashoda, elle retira le lait du feu, et le lait était tout heureux. Oh, Yashoda me donne l'opportunité de servir Krishna, il m'engage dans son service. Il était tout content.
Si le disciple, si le gourou pense, les disciples sont ma propriété, alors ça c'est très mal. J'ai entendu un soi-disant gourou qui disait à une disciple, une femme, maintenant tu m'appartiens. C'est plus toi qui es en charge de toi, c'est moi. Tu m'appartiens, tu es ma propriété. Et ça c'est très mal. Le gourou pense jamais, un vrai gourou pense jamais que ses disciples sont sa propriété. Tout ce qu'il pense, c'est comment je peux purifier leur cœur pour pouvoir l'offrir au pied paresseux de lotus de Radha Krishna, comme une fleur. Ça c'est la mentalité d'un vrai gourou. Il va simplement penser à engager ses disciples. Si le gourou veut jouir de ses disciples, ou même d'un centime que lui rapporte ses disciples, il ne doit pas souffrir de ça. Il est coupable. Oui. Il est simplement supposé purifier le cœur des disciples pour qu'ils puissent servir Krishna et les engager dans son service direct. Donc Yashoda a pris de lait, elle a commencé à le faire réduire, à le condenser, et à rajouter du sucre de là. Elle voulait donc faire toutes sortes de sucreries pour le plaisir de Krishna, pour qu'il les savoure. Et une fois qu'elle a vu que le lait était apaisé, elle est revenue, et qu'est-ce qu'elle a vu? Il y avait le pot de yaourt qui était en train de barater, avec tout le yaourt qui est en train de s'enfuir, toutes sortes de rigoles de yaourt qui s'enfuient dans toutes les directions. Et il y avait un trou dans le pot, parce que quand Krishna a vu que Yashoda le délaissait pour aller s'occuper du pot, il s'est mis en colère. Il a froncé les sourcils, il a serré des petits poings comme font les petits enfants en colère. Et il a dit, pourquoi est-ce que ma mère m'a laissé pour aller s'occuper du lait? Le lait, il est pour moi, c'est pas moi qui suis pour le lait. Elle m'a laissé pour aller sauver le lait. C'est ça la bhakti? Mais en fait, on sait que les grands serviteurs, ou quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un d'autre, tout ce qui a trait à cette personne lui est cher. Et même parfois, on dit qu'il y a Yashoda plus d'attachement aux choses qui rentrent dans le service de Krishna que pour Krishna lui-même. Quand Krishna parle de la flûte de Krishna, les habits de Krishna, quand elle voit Krishna pendant qu'il salit, et Yashoda lui tord les oreilles en disant, petit garde-moi, je t'ai dit pas de salir. Et en fait, c'est de la bhakti parce que c'est pour le bien de Krishna. Krishna, lui, comme un enfant ignorant, il ne sait pas. Mais Yashoda, elle sait que c'est pour son bien. Krishna a beau être Dieu la personne suprême, sous l'influence de Yogamaya, il n'est pas conscient de sa propre divinité. Donc il est comme un enfant ignorant. Donc Yashoda, elle le voit dans son mamata, dans son sentiment de propriété. Et là, envers Krishna, mon enfant chéri, mon Krishna que je dois servir, elle déborde tellement elle a beaucoup d'amour pour lui, elle déborde tellement d'amour pour lui qu'elle fait tout pour lui sans voir qu'il est Dieu, la personne suprême, en le considérant comme son petit enfant qu'elle doit protéger, éduquer, reprendre comme un garnement qu'il est. Donc Krishna, en fait, avait voulu renverser le pot. Il avait essayé, mais il était bien trop petit pour renverser ce gros pot de yaourt. Alors, comme il n'avait pas assez de force, il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Comme il est tellement malin, tellement rusé, c'est un tel garnement, il a vu une pierre, un pilon, pour écraser les épices. Il a essayé de donner des coups sur le côté du pot et ça ne marchait pas. Il dit, ah mais par en dessous, ça marcherait peut-être. Il a donné un grand coup par en dessous et il y a un petit trou qui s'est fait et le yaourt a commencé à couler. Puis il dit, oh, ça coule comme une rivière, super. Et tout le pot s'est vidé. Et quand il a vu le pot vide, il dit, oulala, maintenant je vais avoir des ennuis, maintenant on va venir, il va me châtier cette fois-là, je ferais mieux de filer d'ici en vitesse. Donc il a voulu s'échapper dans une pièce qu'il avait sur l'extérieur. Pendant ce temps-là, Maria Chaudin arrivait, et lorsqu'elle a vu la scène, elle a dit, ah, j'ai tout compris, c'est encore ce garde-vent qui a fait un coup comme ça. Mais Maharaj dit, les voleurs, ils ont tous un défaut. C'est que dans leur précipitation, quand ils s'enfuient, ils oublient d'effacer leurs traces. Et Krishna s'est précipité dans la pièce d'à côté, mais Yashoda, en arrivant, elle a vu les empreintes de ses petits pieds paresseux de lotus qui menaient droit vers cette pièce. Donc sur la pointe des pieds, comme un chat, les chats quand ils marchent, même une feuille sèche ne craque pas, elle s'est approchée, elle a jeté un œil dans la pièce et elle a vu le garnement en personne, juché sur un mortier, en train de piocher dans un pot rempli de beurre et de s'en nourrir, d'en donner également aux singes et aux corneilles. Pourquoi aux singes et aux corneilles? Parce que Krishna est très reconnaissant. Il dit, je récompense en fonction de l'abandon envers moi. Et il s'est souvenu que il y avait tellement de singes pendant qu'il était Ram, et c'est Ram Lila, qu'il n'avait pas pu repayer à l'époque. Il avait donné leur vie pour son service, il avait aidé dans sa Lila, et il n'avait pas pu les repayer. Donc maintenant j'ai l'opportunité donc qu'il les nourrissait, parce qu'ils étaient dans cette dynastie. Également, pourquoi les corneilles? Parce que Kaka Bhushandi était une grande dévote de Ram, très grande dévote, et ses corneilles appartenaient à sa dynastie. Où est-ce que je me suis?
Oui, tout comme on dit à Uttama Bhagavat, quelqu'un qui arrive au pur service de l'émotion, il libère 21 générations qui atteignent la libération sans aucun effort de leur part. Donc, Maria Shona s'est avancée comme un chat, silencieuse, très rapide, avec sa baguette à la main. Et Krishna, qui est en train de faire une bêtise, en était bien conscient, donc il jetait des coups d'œil furtifs de chaque côté, des coups d'œil craintifs. Comme on voit les corneilles sur leurs deux pattes quand elles mangent, elles regardent toujours sur les côtés. Et elle s'est précipitée et les corneilles sont envolées. Donc, quand les corneilles sont envolées, Krishna dit qu'est-ce qui se passe? Il a tourné la tête, il a vu Yashoda, la baguette levée, donc il a vite sauté du mortier pour s'enfuir. Yashoda a décidé cette fois-là de l'attraper, de donner une bonne correction. Mais Yashoda courait, Krishna courait, mais elle courait beaucoup plus vite que lui. Maharaj dit, si vous voulez attraper Krishna, vous devez avoir plus d'amour pour Krishna que Krishna en a pour vous. Sinon, vous ne pourrez pas attraper Krishna. Donc Yashoda, elle aime bien plus Krishna. Elle a beaucoup plus de... Donc on doit avoir plus de dévotion que Krishna, pour Krishna que Krishna envers nous, sinon on ne pourra pas le contrôler. Donc on dit, en Santara, on ne peut pas contrôler Krishna, en Dasya non plus. En Sakya, un peu, mais en fait, vraiment, les seuls qui peuvent contrôler Krishna, c'est Mère Yashoda et Nanda, et surtout les gopis, dans leur amour pour lui. Donc Mère Yashoda a pensé, Krishna, elle a dit, Krishna, je vais te battre. Maman, pourquoi? Mais quelle offense? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Quoi? Tu n'as rien fait? Tu veux juste la vérité? Mais, j'ai brisé ce pot? Non, pas du tout. Moi, j'ai rien fait du tout. C'est toi qui l'as brisé. Moi qui l'ai brisé? Oui. Quand tu t'es précipité pour pour attraper le lait du feu, t'as tes grosses, clochettes aux chevilles en or massif, bien épais. Tu as donné un coup dans le pot, c'est comme ça qu'il a brisé. Oh, petit menteur, tu es un garnement et tu es un petit voleur. Mais en même temps, elle souriait. Elle dit, mais dans ma dynastie, il n'y a pas de voleur. Dans la tienne, peut-être, ou pas dans la mienne. D'ailleurs, dans la tienne, il y avait un Chol Gopa, un Gopa appelé Chol, il veut dire voleur. Donc, il y a peut-être des voleurs dans ta famille, pas dans la mienne. Alors, toi, tu es peut-être une voleuse, mais en tout cas, pas moi. Et Réacha, dans le temps de ça, souriait aux anges. Et finalement, ils ont repris leur poursuite. Et finalement, elle a voulu l'attraper. Il a détalé. Elle était un peu essoufflée. Elle a commencé à avoir le rouge au front et au visage. Et Krishna était un enfant très agile, donc il courait bien plus vite qu'elle. Mais les fleurs de la chevelure qui décoraient la nappe, la chevelure de Yashoda, ont commencé à tomber en disant « Ne t'inquiète pas, on t'aide nous aussi, on court avec toi après Krishna, on va l'attraper, continue, n'arrête pas. » Donc les fleurs tombaient comme si elle l'encourageait. Et elle a levé sa baguette, finalement elle a réussi à l'attraper, elle a levé sa baguette, il a levé la main et cette fois, elle a réussi à l'attraper. Et là, il a fondu en larmes. We can learn something like this. Yashoda was chastising. She was following him, running to catch Krishna. You know, bhakti is sudurlabha. Very rare. We are chanting, remembering, but yet there is some lust. Mind is not fixed. So many bad things coming in our mind. We have no taste, no nishtha. We should not be so much worry for this. We should try to follow Yashoda Maiya. She is somewhat tired, but she has promised that I must follow Krishna and catch her. I must do. So we should promise that we should chant, remember such a way that a test will come and frame will come in my heart. So we should promise like that. So, Srila Rupa Goswami has told that if you have no taste in chanting, remembering and hearing Harikatha, you are sleeping in Harikatha, you are sometimes disturbed when chanting, remembering your mantras, don't be so worried. Try to do it daily, continuing it.
Like, if any rogue comes, like disease, like jaundice. In ancient times, they used to take as a medicine sugar cane. And gradually taking, in some days, the disease used to go. And then this candy used to be tasteful, very sweet, otherwise so bitter. If it is bitter, being so sweet, then you should see that there is disease. So you are chanting very sweet name of Krishna, to whom Chaitanya Mahaprabhu used to chant friend Hare Krishna, Hare Krishna. He used to be Ashtasattvic Vikar used to come, heart melting. But we see no sign of all anything. But we should not be worried. We should try to do, follow it regularly with some nirbandha, some number of fixed number. I will chant 32 round in morning. Otherwise, I will not take water or eat. Then you will have to give at least about 3 hours. Then you will have to be wake, give up your bedding at about 3. So from 3 to how much? 7, 6. You will have to give time. So you should say on a fixed asana. And from that I will not go anywhere, move here, chanting Hare Krishna. How? Remembering the pastimes that I told, or other pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Being in Vrindavan, Govardhan, doing parikrama, you can go. When it is completed, then I will come, and then I will do it. Like this. I will have to chant daily 1 lakh. Then what to do? I'll have to give how much hours? 6 hours. At least? 6 hours. 6 hours. Then we'll have to see, in night, in day, I will have to distribute time for this. I must read something. I must hear something. I must try to maintain our life also by begging or by anyhow. Serving in temple or serving in family. So I will have to also devote some time for that. No time of chattering, no time of chattering and all other things. One absorbed in it. So then you will see that very soon you will have a taste in your mouth. That is Krishna will be casual. And thus gradually asakti, bhav and other. And if you are tired, hopeless, in the midway, my son is dead, I was praying Krishna that save me, my child. But my son has died. So I have no belief in God. And then quickly, taking their Gopal Devi or anything, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, taking it to see him. And never follow Krishna consciousness. So be always energetic. Like Utsaha, Nishya, Dharya, Tattat, Karma, like so. Very strongly. And then you will see that Krishna So, by these things, so many teachings are in past times. Tattva Gyan, Krishna's Supreme Personality of Godhead, and He is like a boy, He is running in the galleries of
Gokul. Why? Naked? Oh, he wants to play with his associates. And that is why he comes down to this world. He is so very far away that we are not chanting and remembering. So there are so many causes. That is why he has descended. We have no, practically nothing, any mood. We are not unhappy. We are not so much interested to serve Krishna. But he is so much interested for us. So he sends in this world so many his associates. And sometimes he comes in so many forms into this world, only to help us. So Krishna is doing all pastime for us. He is always objecting Ananda, because he is Ananda. Ananda Swarup and Anandi, three things. So we should try to catch Krishna, that is to have pure bhakti. Then we will be explaining evening class. This is a great explanation. May I go? You can see, I should go. I have some duties to do. Le service de dévotion pure est quelque chose de très rare. On chante, on se souvient de Krishna, on s'absorbe dans ses livres, on voit encore tellement de concupiscence en nous, notre mental pas maîtrisé, tellement de choses impures dans le mental, on n'a pas de goût, pas de nishta. On ne va pas se faire trop de soucis pour cela. On va suivre les traces de Yashoda. Elle est fatiguée, elle s'est jurée d'attraper Krishna. On doit faire la même chose. On doit faire un point. Il faut absolument que je chante de telle manière que le goût vraiment va venir. Je vais obtenir un résultat. J'aurai prima, l'amour de Dieu qui va finalement jaillir dans mon cœur. Mon Bhagavad Swami nous a laissé un encouragement sur la chanson cette année. Si vous n'avez pas le goût pour le chant, pas le goût pour la ricata, vous endormez, vous trouvez pendant que vous chantez vos mantras, ne vous faites pas de soucis. Continuez, persévérez. Ne désespérez pas. On voit parfois que quelqu'un qui est affecté par la jaunisse, affecté par une maladie, on l'appelle la jaunisse. Quand quelqu'un a la jaunisse, autrefois en Inde, le médicament qu'on lui donnait, c'était du sucre candi. Et sauf que quand on a la jaunisse, le sucre candi est très amer, il a un goût détestable. Mais si quelqu'un continue à prendre ce sucre candi, graduellement, le goût naturel, sucré du sucre va revenir. Donc si. Quand quelqu'un trouve le sucre amer, ça veut dire que sa maladie n'est pas partie. De manière où Bhagavad Gita dit, le nom de Krishna qui est tellement doux, on voit Mahaprabhu qui, lorsqu'il le chantait, tombait en extase, avec tous les symptômes d'extase, Asta Sabika Bhav, il pleurait tellement, et ce nom, pour nous, il est encore amer, on n'a pas de goût pour lui. Donc on peut comprendre que notre maladie est venue de là. L'attachement à la pierre est encore présent. En pensant une fois que j'aurais fini, je bougerai d'ici, mais tant que je n'ai pas fini mes tours, je ne bouge pas. Et plus loin, on doit prendre la décision, aujourd'hui, je vais à partir de maintenant chanter un lac de noms, ça veut dire 64 tours. Ça va prendre au moins 6 heures. Il va falloir s'organiser pour ça, pour organiser sa journée en conséquence. Parce qu'on a pensé, il faut que j'écoute un peu, je chante, que j'étudie, également il faut maintenir ma famille, peut-être en mendiant, peut-être en travaillant, d'une manière ou d'une autre. Il faudra que je m'occupe, enfin, je remplisse toutes mes fonctions, mais il faut que je chante mes 64 tours. Donc on va automatiquement bien organiser son temps. Et là, il n'y a plus de temps pour le bavardage, plus de temps pour les querelles, plus de temps pour les choses futiles. Et si on fait ça très rapidement, on va pouvoir obtenir le contrôle de son mental et après le contrôle de Krishna. Maharaj dit très vite, asakti, l'attachement à Krishna, bhav, l'extase va venir. Mais on voit souvent des gens qui chantent, qui pratiquent la conscience de Krishna, et puis leur fils meurt. Et là, ils disent, comment ? Je chantais et mon fils est mort. Et on les voit qui emmènent leur mortier, qui les jettent dans la mer, dans la Jamuna, et qui abandonnent la conscience de Krishna. Ne faites jamais cela. Qu'est-ce que dit Goswami ? Soyez fort, utsaha nishchayat dharyat. Soyez patient, enthousiaste et déterminé. Soyez convaincu, soyez persévérant.
Krishna, si vous pratiquez la conscience de Krishna de cette façon-là, si vous chantez de cette façon-là, va venir très rapidement sous votre contrôle. On peut donc voir que dans un lila, qu'on a entendu déjà tellement de fois peut-être, il y a tellement de tattva, tellement d'enseignements qui sont là. On voit que Krishna, bien qu'il soit Dieu la personne suprême, il est un petit enfant tout nu qui court dans les rues de Gokul, qui veut jouer avec ses compagnons, avec ses compagnes. Et c'est pour ça qu'il est de l'essence pour le matériel. Il se soucie de nous. Il voit qu'on n'est pas engagé dans son service, et donc qu'on en souffre. Et donc il vient pour notre bénéfice. Et nous, on n'est pas si inquiet que ça. On n'est pas si intéressé par la conscience de Krishna que ça. Mais lui, il se soucie tellement de notre intérêt. Lui, il s'intéresse vraiment à nous. Et c'est juste pour ça qu'il vient. Il vient lui-même. Il vient lui-même sous tellement de formes. Il envoie ses compagnons. Ouais. Et si on veut attraper Krishna, il faut développer la pure bhakti, qui est la seule façon qui permet de le mettre sous contrôle. Seulement la pure dévotion contrôle Krishna. Dans le Bhagavatam, Krishna dit qu'il n'y a rien d'autre que la pure dévotion qui permet de le conquérir. Voilà. Allez, Krishna. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, personne qui voudrait l'éclaircissement ou des...